Bon matin à toutes et tous, on se retrouve pour la guidance intemporelle de ce jeudi 5 septembre 2024. Comment allez-vous? Bien, j'espère. Et j'espère que vous avez passé une belle journée hier. Avant de commencer, la petite pensée positive du matin. Pansement de l'âme. Ne pas hésiter à réconforter une personne dans la souffrance, même si cela paraît dérisoire ou inutile. Les paroles réchauffent le cœur et les mots sont les pansements de l'âme. Beau message, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, eh bien, j'ai pigé l'agneau. L'agneau, eh bien, ce bel animal, pardon, est un symbole d'innocence et de pureté. En fait, il représente la douceur et la vulnérabilité, évoquant des qualités innocentes et non corrompues. Alors l'agneau, eh bien, il est souvent perçu comme un symbole de protection. Il est une présence bienveillante qui vous guide sur votre chemin. N'oubliez pas de poser votre question. Alors, cette carte, elle va représenter la douceur, la sagesse, la pureté, l'amitié aussi, la bienveillance. L'agneau est le signe que des forces supérieures veillent sur vous. Eh oui, vous ne le savez peut-être pas, mais vous êtes protégé. Et cela, eh bien, ces forces supérieures, oui, veillent sur vous et vous protègent ainsi qu'elles vous guident dans vos choix et décisions. Il peut suggérer que vous devez être prêt à faire des sacrifices ou à renoncer à certaines choses pour atteindre vos objectifs ou pour le bien de ceux qui vous entourent. Encore une fois, ce lâcher prise, eh bien, il sera salutaire pour atteindre votre but. La réponse maintenant à votre question, eh bien, elle est positive. Oui, la présence de l'agneau suggère que des forces supérieures favorisent une réponse positive. Alors, ce bel animal, hein, l'agneau, eh bien, peut être un rappel de l'importance d'adopter une attitude bienveillante, n'est-ce pas, et compatissante envers les autres, de faire preuve de douceur et de gentillesse dans vos interactions. Il évoque une période de renouveau pour qui saura saisir les opportunités. Donc la bienveillance, n'est-ce pas? Et le message de la petite philosophie de ce matin, c'était avoir des paroles qui réchauffent le cœur. Et les mots sont des pansements. Ben, c'est une belle aussi synchronicité, n'est-ce pas, avec l'agneau. Mais en fait, bon voilà, la réponse à votre question, elle est oui. C'est positif, n'est-ce pas? Je termine avec le message des anges gardiens. Créativité. Nous, tes messagers angéliques, eh bien, nous sommes là pour t'aider à déverser le potentiel infini de créativité que tu possèdes. Écoute, écoute les murmures de l'amour à l'intérieur de ton petit cœur, car nous communiquons avec toi à travers tes sensations et tes émotions. Laisse ta peur et ton appréhension s'envoler et exprime, eh bien, la source infinie de créativité qui t'appartient. Amuse-toi. Amuse-toi et autorise ton enfant intérieur à révéler sa véritable nature. Tout est permis.
Waouh, quel beau message aussi, n'est-ce pas? Eh bien, je vous souhaite une excellente journée. On se retrouve demain pour le dernier message de cette semaine. Et d'ici là, prenez soin de vous, de ceux que vous aimez, de ceux qui vous entourent. Prenez soin de vous en douceur. Et moi, je vous dis à demain et je vous embrasse.